Nous respirons dans notre cœur et nous nous relions à terre-mère. Et nous imaginons plonger nos racines jusqu'à son cœur de cristal. En réponse, elle nous donne son énergie qui remonte à travers nos plantes de pieds, nos jambes, notre bassin sacré, tout notre corps, nos bras, notre tête, jusqu'au chakra couronne. Et du ciel, par le chakra couronne, nous recevons les énergies et nous les laissons s'épandre dans notre corps jusqu'à nos pieds. Et tout ce dont nous n'avons pas besoin s'élimine, s'évacue à chaque fois que nous nous nourrissons de l'énergie de terre-mère et du ciel. Et vous imaginez ce mouvement plusieurs fois. Plusieurs fois, terre-mère vous envoie son énergie de force, de guérison, d'affirmation. Et vous lâchez par le chakra couronne tout ce dont vous n'avez plus besoin, de vos peurs, de vos angoisses, de vos soucis. Et de la même manière, vous laissez entrer l'énergie du ciel par le chakra couronne et l'énergie qui vous traverse, qui entre dans chacune de vos cellules, qui nettoie chacune de vos cellules de tout souvenir difficile, de toute expérience désagréable. Et tout ressort par le chakra des pieds et va se transmuter dans la terre-mère. Et nous remercions terre-mère et le ciel. Respirez tranquillement, paisiblement, profondément, calmement. Et vous lâchez le stress de la journée, le stress de la semaine, de ce mois qui vient de s'écouler. Et vous laissez dans votre cœur entrer la joie et vous vous laissez vous réjouir de ces rendez-vous que nous avons tous les mois. Car nous avons cette chance de nous retrouver, de retrouver notre groupe, notre communauté et de partager cette énergie magnifique, de nous bénir mutuellement, de nous aimer mutuellement, de nous laisser envahir par la beauté de l'être, la beauté de la vie. À chaque fois que vous avez un souvenir difficile, laissez-le partir. Et dans votre cœur, où il y a la joie, l'enthousiasme, je voudrais que vous ressentiez le soleil. Parce que c'est l'été. Et l'été, il y a le soleil, encore plus fort. Et de notre cœur, nous allons imaginer un énorme rayon de lumière qui va connecter avec le soleil, le grand soleil, grand-père soleil.
yin-yang avec grand-mère lune. Et vous allez imaginer que vous allez au centre du soleil et qu'il y a un fauteuil spécialement pour vous. Et que l'énergie divine du soleil vous invite à vous asseoir. Le feu du soleil ne brûle pas. C'est sa lumière qui vous éclaire. C'est sa lumière qui vous nourrit. Et aujourd'hui, c'est sa lumière qui va vous enseigner. Et pour le moment, Grand-Père Soleil, l'énergie du soleil, le soleil divin, la lumière divine, vous propose de lâcher tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et vous pouvez imaginer que toutes ces choses tombent du soleil comme des gouttelettes. Les soucis, les petits, les grands, peu importe. Les angoisses. Le stress. La frustration, le ressentiment, la jalousie, le besoin de revanche, vous laissez tout ça, vous expulsez tout ça de vos cellules, pour que vos cellules n'aient plus que le travail de vous nourrir de beauté, de soleil, de lumière. Et vous sentez votre être qui rayonne de plus en plus grâce au fait que vous avez le courage de laisser toutes ces peurs, le courage d'évacuer vos croyances. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance? C'est une pensée à laquelle on pense souvent, une pensée qu'on a fait sienne. Mais les croyances, on n'en a plus besoin. Nous sommes sur un nouveau chemin, sur un nouveau paradigme. Nous sommes dans un passage très particulier de notre incarnation. Et au sein de Grand-Père Soleil, vous allez maintenant invoquer vos anges, vos guides, qu'ils vous soutiennent à vous remplir de lumière. Même si vous ne savez pas comment, même si vous avez des doutes que ce soit possible, nous entrons dans une nouvelle ère où les techniques spirituelles, si on peut dire, vous sont vraisemblablement inconnues. Mais laissez-vous faire. Comme vous ne connaissez pas tout ce qui vous entraîne avec votre voiture ou dans le train ou dans l'avion, laissez-vous faire par cette technique lumineuse. Laissez-vous enseigner. Laissez-vous pénétrer. Laissez-vous informer. Laissez-vous faire, accueillir. Ouvrez les bras. Ouvrez les mains. Peut-être allez-vous ressentir des petits picotements avec toute cette énergie lumineuse qui vous pénètre, qui vous nettoie, qui vous sécurise, qui vous donne des autorisations. Qui vous aide à libérer le féminin, le masculin en vous. Qui vous aide à être plus assertif, assertive, qui vous aide à préciser vos limites avec sourire, avec bienveillance et avec force profonde.
Le soleil aujourd'hui vous aide à tout ça. C'est l'été. C'est l'été dans notre hémisphère. Et c'est le rôle du soleil de faire tout ça. C'est la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle nous aimons tellement le soleil. Et la prochaine fois que vous verrez le soleil, vous pourrez vous imaginer sur un siège à l'intérieur de lui. Avec un soleil qui ne brille pas, mais avec un soleil qui vous illumine plutôt que de vous brûler. Votre âme, c'est bien être dans le soleil, c'est bien venir se ressourcer auprès du soleil. Vous avez l'impression que vous vous réchauffez avec les rayons, mais votre âme est tout là-haut, en train de se nourrir, de recharger ses batteries, de discuter avec les autres âmes. Ressentir l'amour, l'amour de la communauté, l'amour de Grand-Père Soleil. Laissez-vous faire. Vous êtes assise dans le soleil. Aujourd'hui, c'est une cérémonie de lumière. Une illumination, un éveil pour vous, un éveil pour chacune de vos cellules. Vous chargez un nouveau programme. Avec une nouvelle technologie. C'est plus la loi de cause à effet, non, c'est la loi quantique. Et je vous propose de vous projeter dans 6 mois, vers Noël. À la nouvelle année et de vous imaginer comment vous êtes, comment vous avez évolué, comment votre vous vous sentez plus éveillé, plus évolué, plus ouvert au divin, au spirituel, à la lumière, que vous savez plus connecter votre lumière intérieure, plus la montrer aux autres, plus vous laisser vous faire envahir par la lumière divine. Grâce à cette cérémonie d'aujourd'hui qui vous bénit, qui vous charge, qui vous recharge. Grâce à la lumière qui vous informe, qui informe chaque électron de votre corps, de ce nouveau paradigme spirituel. Parce que peut-être que ces années dernières là ont été difficiles à vivre, certainement, mais c'était pour le meilleur. Il faut lâcher le vieux pour pouvoir ouvrir au nouveau, pour pouvoir ouvrir nos cœurs à des nouvelles connaissances, à une lumière plus forte, plus puissante, plus guérissante, plus salvatrice, plus initiante. Vous voyez peut-être que vous, d'ici 6 mois, vous avez résolu des choses. Des situations se sont dénuées
à des moments où ça pouvait vous paraître inextricable, finalement, vous avez trouvé la solution. La solution, vous l'avez reçue, vous l'avez simplement accueillie. Et c'est une technique que vous pratiquez de plus en plus par rapport à une situation où vous avez des questions. Maintenant, vous savez que la solution ne vient pas du mental, ne vient pas du Lego. Elle vient de la lumière, dans votre cœur, de votre intuition, de vos ressentis. Bien sûr que vous pensiez que vous ne saviez même pas que ça existait. Mais en ces nouveaux temps, c'est toutes les semaines que nous nous sentons évoluer. Voilà pourquoi il est tellement important de se connecter tous les jours, de pratiquer ses routines, de laisser la lumière nous envahir, de laisser nos guides nous aider, de recevoir les solutions plutôt que de vouloir échafauder des plans difficiles. Il est question d'accueillir. D'accueillir la lumière, d'accueillir l'amour, d'accueillir du nouveau. Et pour accueillir du nouveau, il faut lâcher les croyances limitatives, les croyances qui font peur, les croyances qui empêchent. C'est important d'ouvrir les mains, d'ouvrir les bras, de s'ouvrir au nouveau, de s'ouvrir au renouveau, de ressentir la lumière dès que vous vous ouvrez, d'en prendre acte, de discuter avec votre ego en lui disant « maintenant c'est comme ça, tu vois bien que ça marche, tu vois bien que la vie est plus facile, je te promets que c'est notre solution ». Et quand il vient tirer les ficelles de la peur et des croyances limitatives, à nouveau vous lui dites « viens là ». Viens là, je vais te rassurer parce que moi je suis connectée à la lumière. Moi je suis connectée à l'amour. Moi je suis connectée au divin. À la lumière qui guérit, à la lumière qui enseigne, à la lumière qui aime, qui prend dans les bras, qui rassure, qui trouve les solutions. Laissez-vous aujourd'hui inonder. Laissez-vous être l'enfant du divin, l'enfant du soleil, l'enfant unique avec votre ADN unique. Le monde a besoin de vous, le monde a besoin de nous tous ce soir, aujourd'hui. Et dans les podcasts pour écouter cette cérémonie, la Terre a besoin de notre lumière. Nous sommes en charge de nous ressourcer de lumière et d'irradier de lumière. C'est notre mission de vie. Nous nous sommes incarnés pour cette raison. Nous sommes heureux, heureuses de cette incarnation. Est-ce que vous sentez dans votre cœur comme c'est beau, comme c'est heureux d'être incarné pour irradier la lumière? Laissez se développer cette émotion dans votre cœur. Et si vous avez des jours plus gris, revenez vous connecter à cette émotion de lumière, d'être inondé de lumière et de rayonner votre lumière.
La lumière guérit tout, l'amour guérit tout. Les maladies, bien sûr, les peines, les dépressions, les difficultés, les angoisses. Et si vous sentez que dans votre corps, il y a un point d'angoisse ce soir ou un point qui vous chatouille maintenant, inondez-le encore plus de lumière. Laissez la lumière venir encore plus profondément dans votre corps. Et votre âme dans le soleil vous envoie toute la lumière dont vous avez besoin. Vous n'êtes plus que une boule de lumière, une boule lumineuse, iridescente, qui projette ses rayons tout autour et les prochaines personnes que vous allez voir aujourd'hui ou demain vont voir cette lumière. Ça va se voir sur votre visage. Ne soyez pas étonnés que certains vous disent « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ?» Alors profitez, ouvrez votre visage, ouvrez votre cœur, ouvrez vos mains, vos bras, votre corps tout entier, votre aura, et laissez-vous inonder encore et encore et encore, encore et encore et encore. Et ressentez la puissance de la lumière, ressentez comment vous êtes soutenu, aidé, secondé, initier, informer, solutionner. Et si vous avez en ce moment quelque chose qui vous tracasse, pour lequel vous voulez trouver une solution, c'est le moment de poser votre question et de vous laisser envahir par la réponse lumière. Peut-être que la réponse ne viendra pas aujourd'hui, physiquement, matériellement, mais déjà vous allez recevoir l'information, même si ce n'est pas conscient. Tout l'univers se met à votre disposition pour vous aider. Je vous laisse poser votre question. Recevoir l'énergie de la réponse. Vous avez peut-être encore des questions à poser, allez-y. Grand-Père Soleil vous inonde de ses rayons. Vous êtes en directe connexion avec les éléments dont vous avez besoin.
ressentis la lumière, l'amour, l'amour-lumière. Il est temps de remercier Grand-Père Soleil, Grand-Mère Lune, Yin, Yang. Et vous pouvez poser votre main gauche sur le chakra du cœur, au milieu, sur votre poitrine, et la main droite par-dessus la main gauche, et le Yin et le Yang. Main gauche Yin, main droite Yang vont fusionner dans votre cœur. Vous êtes un. Un relié à l'univers, un univers, un avec le tout, un avec chacune des personnes présentes aujourd'hui et celles qui écouteront la cérémonie. Vous êtes un en amour. Vous formez une lumière. Nous ne sommes que lumière. Nous sommes le un. Reprenez confiance. Ressentez cette confiance forte en vous. Vous êtes un relié au tout, vous êtes le tout. Et comme vous prenez plus conscience de votre respiration, ressentez l'émotion dans votre corps. C'est peut-être de la sérénité, de la confiance, de l'amour, de la zénitude, de la paix. C'est votre cadeau aujourd'hui. Gardez-le précieusement. Oh.